Web Creator, épisode 67, oui! Bienvenue sur Web Creator, le podcast des entrepreneurs qui préfèrent créer un business profitable sur Internet, au service de leur vie, plutôt que d'être enfermés dans une boîte. Et maintenant, votre présentateur, Vanak Tok. Hey, salut à tous les web créateurs, bienvenue sur cet épisode 67 déjà du podcast. Je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode. On est début mars et dans un peu moins de 50 jours, je vais intervenir pour la première fois devant plus de 300 personnes. Comme vous le savez peut-être, j'ai organisé mon propre séminaire fin janvier. J'ai moi-même eu un public 200 personnes sur mon propre séminaire, mais là, je vais être l'intervenant pour une conférence d'environ 3/4 d'heure, 1 heure, chez Maxence Rigottier. Donc, je vais être devant 350 personnes. Donc, ça, c'est le... Aujourd'hui, il y a vraiment, véritablement 300 personnes qui se sont inscrites. L'objectif pour Maxence Rigottier, c'est d'avoir 350 personnes. Ça va se passer à Paris. Je sais plus si j'interviens le samedi ou le dimanche, mais c'est le week-end du 18-19 avril. Donc, un peu moins de 50 jours, un peu plus d'un mois. Le sujet de ma conférence, ça va être de comment est-ce qu'on peut créer un business en ligne sans forcément montrer son visage, même si aujourd'hui j'ai plutôt tendance à inverser la vapeur, c'est-à-dire que j'ai plutôt tendance à être à l'aise aujourd'hui pour me montrer, à parler en public. Je suis vachement plus à l'aise qu'il y a 4 ans. Là, c'est vrai que certaines personnes qui veulent lancer leur business en ligne sont un petit peu bloquées à l'idée de parler en public, à l'idée de ne serait-ce que s'enregistrer face caméra. Je connais bien cette peur puisque c'est une peur que j'ai eue pendant longtemps. Et du coup, le sujet de ma conférence va être autour de ça. Donc, je pense que je vais l'aborder sur un aspect à la fois VideoScribe, qui est, comme vous le savez, le logiciel que j'utilise pour créer mes vidéos sur Prendre sa vie en main. Mais je pense que je vais aussi aborder l'idée du podcast, puisque c'est aujourd'hui un média que j'adore. C'est aujourd'hui un média que je consomme régulièrement. Et je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de place par rapport à ce format-là, qu'est le podcast, à ce format audio, qu'est le podcast en francophonie. C'est déjà beaucoup plus compliqué aux États-Unis, mais en France, il y a encore beaucoup de place pour créer un business en ligne autour de cette plateforme qu'est le podcast. Dans ce même séminaire de Maxence, donc le Business Internet en Or 3, il y aura plein d'autres intervenants. Il y a notamment Max Piccinini, il y a Alexandre Cormon, il y a Tammy Cabage et j'oublie sûrement d'autres personnes. Mais si vous êtes intéressé, si vous ne faites rien ce week-end-là et que vous voulez soit lancer votre business en ligne, soit le faire accélérer drastiquement, je vous invite à aller consulter la page de vente de Maxence. Donc pour cela, rien de plus simple, vous pouvez rentrer l'URL psvem.com, donc psvem, les initiales de prendre sa vie en main, psvem.com/bio3, donc tout attaché, BIO3, donc psvm.com/bio3 sur n'importe quel navigateur, et vous aurez accès à cette page de vente. Donc surtout, si vous êtes intéressé, dépêchez-vous, parce que comme je vous l'ai dit, il y a 350 places, et aujourd'hui, il y a plus de 300 places qui sont déjà vendues, et si ça se trouve, au moment où vous écoutez cet épisode, c'est déjà trop tard. Mais allez vérifier tout ça, et je vous assure, pour avoir été moi spectateur des deux premières éditions, je vous assure que participer à ce genre de séminaire est vraiment fondamental pour booster son business, pour faire travailler son réseau. Et juste petite parenthèse par rapport à ça, faire travailler son réseau, en anglais, le réseau, ça se dit network, et dans network, il y a bien work. Pour faire travailler son réseau, faut être présent à certains événements, faut être actif, faut aller chercher les contacts. C'est pas quelque chose qui se fait passivement, c'est bien network et pas net lazy, c'est bien network. Donc faire travailler son réseau, c'est aller à ce type d'événement. Je vais pouvoir
introduire maintenant mon invité qui est Sébastien Tedesco. Sébastien, c'est justement quelqu'un que j'ai rencontré à plusieurs événements. C'est quelqu'un qui aide les agents immobiliers, qui forme les agents immobiliers à être plus performants dans leur métier. Et c'est quelqu'un qui a d'abord été sur le terrain durant de nombreuses années avant de digitaliser son savoir et de servir les agents immobiliers à devenir plus performant. Donc, je vais pas m'étendre sur le sujet parce qu'on aborde le sujet largement dans l'interview, mais voilà, sans plus attendre, eh bien, je vous demande d'accueillir tout simplement Sébastien Tedesco et à plus tard dans l'épisode. Salut! Salut Sébastien! Comment vas-tu aujourd'hui? Ben, ça va très très bien, merci, et toi? Eh ben, écoute, ça va super! On s'est vu il y a pas très longtemps. On s'est vu donc on est un mardi au moment de l'enregistrement. On s'est vu le week-end dernier et même depuis le jeudi d'avant. C'est ça. Pour ceux qui te connaîtraient pas du tout, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît, Sébastien? Ouais, bien sûr. Moi, je suis Sébastien Tedesco. J'ai 34 ans. Je suis marié. J'ai deux petits garçons. Je suis un pur produit de l'immobilier. J'ai été agent immobilier, j'ai dirigé plusieurs agences immobilières. D'accord. Et depuis, on va dire, 2 années, je coach les conseillers immobiliers, les dirigeants d'agences immobilières que j'aide à développer leur business dans le moins de temps possible pour leur permettre de se dégager du temps libre de qualité. Ok, super. Tes enfants, quel âge? Alors, j'ai Aimé qui a 6 ans et demi et Joseph qui a bientôt 4 ans. Ok. Donc, ça fait depuis combien de temps finalement que tu baignes dans l'immobilier? Tu as toujours fait ça? Tu as été agent depuis la sortie de tes études? Ouais, c'est ça. En fait, quand j'ai… je crois que même que j'avais pas tout à fait terminé mon stage de la dernière année du coup de mes études, okay, que je suis rentré dans une agence immobilière à Nice, puisque moi, je suis basé à Nice. Donc, c'était en 2006. Donc, premier job, voilà, conseiller immobilier, salarié à l'époque, dans une agence qui avait plutôt bonne réputation sur Nice. Okay. Au moment où elle était en train d'être rachetée par le groupe Crédit Agricole pour okay. devenir ce qui allait devenir le réseau Square Habitat, qui est un réseau maintenant national. Ok. Donc, tu as fait tout ce parcours dans l'immobilier jusqu'à devenir agent, enfin dirigeant de plusieurs agences, c'est ça que tu as dit? Ouais, en fait, j'ai évolué en tant que conseiller immobilier dans la structure. Et puis ensuite, bah, on va dire que naturellement, je suis venu à des fonctions managériales et j'ai managé 6 agences en simultané pour le réseau, donc une vingtaine de commerciaux entre Menton et Cannes sur la Côte d'Azur, jusqu'à ce que je quitte le réseau au tout début de l'année 2017. Ok. Comment ça s'est produit? Enfin, comment est-ce que t'es arrivé finalement à transitionner Ça te plaisait plus le fait d'être directeur d'agence? Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu changer? Bah, je pense, tu sais, tout est souvent question de cycle. Donc, ça faisait voilà un peu plus de 10 ans maintenant que j'étais dans cette structure. Je pense que je suis aussi arrivé à un âge où on commence à se poser certaines questions. La naissance du deuxième enfant, plus forcément en adéquation avec la manière dont on nous demandait de manager les équipes, tu vois, un peu une quête de sens comme beaucoup de salariés à un moment donné. Ouais. Et puis une décision un peu déclic à un moment parce que tu sais, j'avais réussi à être assez présent pour la naissance et les premiers mois et années du grand, et beaucoup moins pour le deuxième parce que bah, j'avais pris des responsabilités. Et tu sais, quand un soir ta femme te dit tiens, est-ce que tu peux aller me chercher le biberon pour Joseph, et que tu ouvres tous les placards et qu'en fait tu t'aperçois que tu sais pas où est le biberon parce que en fait tu pars à 7h le matin et tu rentres à 9h le soir. Tu te dis qu'il y a un truc qui cloche. Donc tout ça, à un moment donné, bah, ça fait que tu te dis, bah, il faut que je fasse autrement, il faut que je vois peut-être ce qui se passe ailleurs. Là, tu t'aperçois que l'herbe est pas plus verte ailleurs, et du coup, tu es dos au mur et tu te dis, bon, bah, il va falloir que je me crée mes propres opportunités professionnelles, qui n'étaient pas au départ celles de faire de la formation et du coaching d'ailleurs, puisqu'à la base, j'ai souhaité quitter ce réseau pour monter un label qui serait venu estampiller les agences immobilières qui s'engageaient dans une démarche solidaire. Donc, de reversion d'une part de leurs honoraires à des projets caritatifs, des agences immobilières accessibles aux personnes à mobilité réduite, de la formation aux agents immo pour les former à la détection de logements adaptés ou adaptables pour qu'ils soient proposés en priorité à l'Association des paralysés de France. Donc, tu vois, j'avais beaucoup bossé pendant l'année 2017 sur ce projet dont le modèle économique était sûrement un peu tiré par les cheveux. Et puis, j'ai été rattrapé par le col par d'anciens confrères et d'anciens collègues pour venir former, coacher, etc. Okay. Et puis, comme ça s'est développé de manière empirique. En 2018, sur une activité plutôt ce qu'on appelle maintenant en dur, donc une activité de formation très classique en présentiel où je courais toutes les villes de France pour aller délivrer des formations dans des salles
peux aseptiser avec la petite bouteille d'eau et le croissant. Et puis j'ai découvert dans le courant de l'année 2018 qu'il était possible d'avoir un message et d'impacter beaucoup plus largement la profession, ce qui était mon objectif initialement, grâce à Internet et au fait de pouvoir aussi coacher des gens à distance. Et donc, le premier programme de coaching en ligne a été lancé sur la fin de l'année 2018, donc il n'y a pas si longtemps que ça finalement. Ok. C'est quoi le... Qu'est-ce qui a fait le déclic? Enfin, qui est la première personne que tu as découvert ou qui t'a montré que finalement c'était possible? C'est marrant parce que je me suis souvent posé la question, je me suis souvent demandé, c'est difficile d'identifier un moment. Mm-hmm. Je pense qu'il y a plusieurs déclics. D'abord, il y a cette rencontre que j'ai faite avec un organisme de formation qui me faisait beaucoup travailler pour le compte de ses clients. Et quand à un moment donné, on m'a dit, et tu comprends, un formateur, il plafonne à 100 jours de formation dans l'année. La journée, c'est peut-être 800 euros la journée. Donc, tu vois, en gros, tu es absent de la maison un jour sur trois, et puis tu plafonnes à 80 000 euros de chiffre d'affaires, en gros. Okay. Et en gros, quand on m'a dit ça, je me suis dit, j'ai pas quitté mon boulot pour ça, en fait, pour repartir sur les routes, être de nouveau absent de la maison pour un chiffre d'affaires qui est pas celui qui me paraît être le plus juste au regard de ce que je peux apporter et du message que je veux délivrer. Donc, je l'ai pris comme un défi. Et puis, je pense que dans le même temps, en parallèle, tu développes ton entreprise et puis tu vas voir des choses qui se passent sur YouTube, sur des blogs, etc., sur le développement des entreprises, etc. Et tu finis par tomber sur des gens qui t'expliquent comment développer une entreprise plus largement que son cadre initial grâce à la puissance d'Internet. Alors, il y a plein de gens, il y a eu, je pense comme beaucoup de gens, à un moment donné, je suis tombé par hasard sur Sébastien, le marketeur français, par exemple. Okay. Puis très rapidement, comme beaucoup, j'ai bifurqué sur d'autres gens. Je crois que je suis tombé sur un replay d'une des premières éditions du Biz Club d'Alexandre Ross. Je suis tombé sur David Véninck, que maintenant je connais bien sur une de ses formations sur les webinaires. Enfin, voilà, il y a eu plein de petits moments comme ça, mais je pense que j'ai tout consommé, je crois qu'il était possible de consommer pendant un an, tu vois, sur en matière de contenu, sur ce que je ne savais pas qui existait, c'est-à-dire l'infoprenariat, okay. Les web entrepreneurs, etc. Et qui pour moi ne sont qu'un outil pour diffuser son message plus largement, en fait. Donc on fait tout un monde de ça. Et péter entre guillemets ce plafond de 80K qui t'était annoncé par cette agence de formation. Donc la limitation du chiffre d'affaires, la limitation aussi du fait que j'étais en plus condamné à y passer énormément de temps. Pour une valeur ajoutée en plus qui est, de mon point de vue, une journée de formation en présentiel, aujourd'hui, je crois que c'est pas le meilleur canal pour impacter vraiment l'activité des gens que l'on veut former. Donc tu vois, il y avait tout un truc qui fonctionnait pas bien. Et j'ai trouvé la solution pour impacter plus largement parce que ma mission, c'est de faire vraiment changer le grand public, de faire changer de regard sur ce métier d'agent immobilier et qu'on puisse lui redonner ses lettres de noblesse parce que c'est un métier dans lequel on accompagne des gens dans des moments de vie qui sont parmi les plus importants d'une vie. Mmh. Et pour ça, ça confère une grande responsabilité sociétale aux agents immobiliers et j'ai vraiment envie que tout le monde prenne conscience de ça et ça passera par l'accompagnement des agents eux-mêmes. Ok. Donc, si on fait le parcours de tes clients, donc ils arrivent, ils sont déjà agents immobiliers, et c'est quoi la promesse de transformation que tu leur proposes? Alors j'ai, si tu veux, dans le paysage des agents immobiliers ou des conseillers immobiliers en France, il y en a à peu près 120 000 en France, okay. Et ils exercent dans différents cadres de travail. T'as des gens qui sont dans l'agence immobilière traditionnelle du coin de la rue, qui peut être une agence sous franchise. Ça peut être des conseillers immobiliers qui sont des conseillers immobiliers indépendants qu'on appelle mandataires qui travaillent de chez eux, par exemple, et qui composent aujourd'hui un quart à peu près des agents immobiliers en France. Et c'est vrai que c'est une cible spécifique. Donc ils sont 35 000, ces mandataires-là, ils travaillent de chez eux. Et c'est vrai que dans mon programme de coaching, notamment, j'ai à peu près 80% des clients qui sont des mandataires. Parce que, en fait, je viens d'une certaine manière combler un manque qui est le fait que ces gens sont souvent isolés, souvent seuls chez eux, souvent seuls face à leur formation, leur développement, avec pour certains, et je sais que c'est un sujet que tu connais bien, à la fois devoir apprendre à entreprendre tout en apprenant pour beaucoup un nouveau métier. Mmh. Donc il y a une vraie difficulté parce que voilà, ce sont deux choses qui sont totalement différentes. Et à travers de ce programme de coaching, je leur apprends à prospecter, à acquérir de nouveaux clients propriétaire vendeur, rentrer plus de mandats exclusifs et faire plus de ventes à terme dans des stratégies qui sont à la fois plus innovantes et surtout plus rentables que ce qu'on a l'habitude de voir traditionnellement dans ce métier-là.
Ok. Donc le cursus de formation que toi tu proposes, il est, je sais pas, c'est un truc basé sur des immersions, sur des jours en présentiel, plus de la formation en ligne. Comment est-ce que, si quelqu'un veut avoir le pack complet, Sébastien Tedesco, c'est quoi? Aujourd'hui, le programme central, c'est le programme Accélère Immo. Ok. C'est un programme dans lequel j'accompagne les conseillers immobiliers, donc au travers à la fois d'une plateforme de formation, donc ils accèdent à un espace membre dans lequel il y a à peu près actuellement plus de 20 ou 25 heures de contenu, puisqu'on y trouve à la fois tous les contenus théoriques, donc il y a une dizaine de modules qui vont de la prospection jusqu'à l'acte définitif, donc ils respectent tout le cycle du client, plus une boîte à outils dans laquelle tu vas trouver tous les modèles, tous les tutoriels, pour faciliter vraiment le passage à l'action, parce que apprendre quelque chose, c'est bien. Le mettre en application le lendemain, c'est plus difficile. Donc, je leur donne tous les outils pour passer facilement à l'action. Il y a des masterclass aujourd'hui maintenant où au moins une fois par mois, j'ai soit un invité expert, soit on va approfondir, soit une étude de cas sur des thématiques très spécifiques qui sont enregistrées et qu'on peut retrouver dans l'espace membre. Donc, c'est quelque chose qui se garnit constamment. Et puis ensuite, il y a deux autres aspects qui sont les plus importants, qui sont le coaching de groupe. Donc, j'accompagne les conseillers qui rejoignent le programme pendant 4 mois. Toutes les semaines, donc aujourd'hui je suis présent tous les lundis et tous les jeudis entre midi et deux pour les membres du programme. Et celui qui intègre le programme intègre 4 mois de ce coaching de groupe dans lequel je trouve une dizaine de conseillers immobiliers par session. Ils ont des éléments à préparer en amont pour préparer leur coaching et puis je les coach en direct en compagnie des autres membres du programme. Et puis le groupe Facebook. Alors ça paraît être un truc un peu anodin, tu sais. Il y a aussi le groupe Facebook. Et en fait, je suis en train de me rendre compte que c'est quasiment la pièce centrale du système. Parce que Oui. je suis halluciné de voir l'entraide, le partage, la communauté, la famille qui se crée entre tous ces conseillers qui sont souvent dans la même galère et qui se partagent les bonnes solutions, qui s'entraident, qui s'encouragent. Donc aujourd'hui, il y a à peu près 75 membres dans ce groupe depuis le début de l'année. C'est toujours mieux en fait. Mettre plus de monde, mais renforce finalement cette communauté-là. Donc ça, c'est le programme Accélère Immo. Mais en fait, ce que tu partages là, le groupe Facebook, oui, ça a l'air anodin comme ça, mais effectivement, vu que tu nous partageais tout à l'heure que la topologie de tes clients, c'est principalement des mandataires, donc des indépendants, le fait de pouvoir se retrouver et d'échanger par rapport à leurs difficultés et ce qu'ils apprennent sur leur terrain, les petits tips, les hacks, eh ben, ce groupe-là, c'est un petit peu leur agence, entre guillemets, C'est vrai. virtuelle, où ils peuvent échanger avec des collègues, entre guillemets. Et dans les stratégies que j'enseigne, je sais qu'il y en a certaines qui nécessitent un peu de se dépasser parfois, de franchir des peurs, etc. Et du coup, l'apport de l'expert, entre guillemets, c'est bien, mais il y a toujours ce côté, oui, ok, c'est facile pour lui ou ça paraît facile pour lui. Et quand ce sont tes pairs, par contre, qui réussissent à franchir ça et à dépasser leurs propres croyances, du coup, ça t'encourage encore plus. Donc, c'est un outil qui est vraiment génial. Du coup, tu m'as dit que ça faisait combien de temps? Ça fait à peine un an finalement que tu as fait cette transition? Oui, le premier programme de coaching en ligne, c'est novembre 2018. Donc, Donc ça ça fait fait un an. Quelle est la c'est quoi la difficulté que tu as re... que tu trouves la plus qui a été la plus compliquée à gérer finalement dans cette transition? Entre Est-ce la qu'il y en a partie. une? Est-ce qu'il y en a une? Ou plusieurs? Les choses se sont faites assez naturellement. Par contre, c'est vrai que j'ai été et je suis toujours hyper accompagné en fait. J'aurais jamais pu réussir cette transition, la fleur au fusil, par moi-même. Je ne sais pas fonctionner comme ça. Quand je ne sais pas, il faut que je trouve quelqu'un qui sait et que je me fasse accompagner. Donc j'ai assez peu consommé par rapport à d'autres web entrepreneurs. J'ai assez peu consommé de formation, mais j'ai été coaché tout de suite, notamment dès mes débuts par Rudy Viard du blog webmarketingconseil.com. Donc Rudy m'a accompagné pendant plus d'un an, voire un an et demi, sur la mise en place, tu vois, des premiers, d'abord de mon offre, de la proposition de valeur que je voulais proposer, des problématiques que j'adressais, concevoir cette offre, lui dédier un mécanisme d'acquisition, donc un tunnel de vente, donc qui à l'époque était téléchargement d'un e-book, séquence d'email, etc. Et puis les choses ont évolué ensuite avec le temps. Donc le mécanisme d'acquisition, la conversion qui s'est faite au début via des webinaires. Donc le premier programme a été lancé par un webinaire donc il y a un an.
Et puis ensuite, ben tu grandis, donc tu te fais coacher par d'autres personnes, ou tu rejoins des programmes avec d'autres entrepreneurs. Mmh. Donc ça a été moi la clé, le facteur clé de réussite, c'était vraiment le fait d'être constamment accompagné, entraîné, parce qu'on y fait des rencontres et puis on nous recommande des gens qui nous aident à chaque fois qu'on a une problématique, etc. On était sur l'événement sur lequel on était la semaine dernière, il y a un truc qui a été dit qui est très vrai, c'est quand tu as envie de mettre quelque chose en place et que tu sais pas faire, la question c'est pas comment, c'est qui. Mmh, et c'est vrai que j'ai toujours voilà, c'est ça, et j'ai toujours vu ce truc sous cet angle-là. Quand je sais pas, mais qui sait faire et qui peut me montrer comment faire ou faire à ma place aujourd'hui. OK, top. Tu disais au début que ton mécanisme d'acquisition, c'était e-book, récupération des mails, puis séquence, et ton mécanisme de conversion, c'était webinaire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as transitionné, ce n'est plus tout à fait ça? Alors, toujours au webinaire. Okay. Donc, j'ai fait à peu près un webinaire par mois ces derniers mois en live. Donc du coup à la fois en organique, donc via ma liste email et via de la publicité Facebook. Donc la publicité Facebook pour le webinaire, ça a démarré assez récemment, il y a un peu moins de 6 mois. Ok. Et puis ensuite. Et alors, juste pour rester sur ça, donc un webinaire par mois, tu fais de la pub Facebook pour l'annonce du prochain webinaire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu lances tes pubs, je sais pas, 2 semaines avant le prochain? Ouais, c'était en fait à peu près 8 jours avant le webinaire, on lançait la campagne. Okay. Du coup, effectivement, tout le mécanisme se poursuivait jusqu'à une semaine après le webinaire, puisque l'animation des ventes, etc., se faisait sur une semaine. Donc, donc le processus durait 2 semaines. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, du coup, aussitôt le processus terminé, il fallait quasiment recommencer le suivant. Okay. Donc le webinaire ne servait pas à vendre le programme, mais servait à vendre un appel téléphonique. Mm-hmm. Qui servait lui à vendre le programme. Donc historiquement, c'est moi qui prenais les gens au téléphone. Là, depuis la rentrée, ça a changé puisque ce sont des closers qui prennent les gens au téléphone et qui vendent le programme. Ok. Et là, très très récemment, je viens de justement, tu parlais de cet effet un peu de lassitude, y compris marketing, avec le fait de constamment faire la promotion d'un webinaire. Oui. Alors à la fois la lassitude de le délivrer, de le préparer. De le commercialiser, de le marketer, etc. Et donc du coup, comme j'adore faire ça, je vais continuer de le faire, mais à intervalles un peu moins fréquents pour garder un côté événement du webinaire et puis moi garder aussi l'énergie pour le faire bien. Mmh. Et entre temps, là, on a mis en place un nouveau tunnel, donc on est toujours sur l'acquisition publicité Facebook. Il y a la publicité YouTube qui va démarrer bientôt aussi et qui là mène directement vers le remplissage d'un questionnaire et la réservation d'un call directement après la publicité. Alors, c'est un peu plus complexe que ça, mais le mécanisme, en tout cas, c'est celui-là. Okay. Pour me permettre de continuer de générer des calls entre deux webinaires. Et puis, dans quelques semaines, je referai sûrement un webinaire événement. OK. Donc là, tu as partagé un aspect intéressant, c'est-à-dire que tu as lancé le truc il y a à peu près 1 an, donc tu étais tout seul, tu as fait cette acquisition un peu tout seul. Là, tu as commencé à t'entourer de closers. Est-ce qu'il y a d'autres personnes derrière la machine, le système que tu es en train de mettre en place? Oui, alors aujourd'hui, j'ai Benoît qui travaille à mes côtés sur l'équivalent quasiment sur un mi-temps, qui lui, maintenant, chapeaute vraiment alors plusieurs choses. La partie création de contenu, puisque je diffuse 2 vidéos par semaine sur YouTube. Donc, il y a la chaîne YouTube aussi qui commence à générer maintenant pas mal de contacts. Donc, deux vidéos par semaine, donc il faut les tourner. Donc c'est Benoît qui les tourne avec moi parce que j'ai trouvé le bouton à 5 pattes. Hein. C'est quelqu'un que je connaissais. Okay. Donc on s'enferme pendant une grosse journée et on tourne quasiment un trimestre de vidéos en extérieur. Je dis on s'enferme, mais on est en extérieur. Okay. Donc on batch, on tourne un trimestre de vidéos en une journée. Et ensuite, c'est Benoît qui s'occupe de la post-production, le montage et la distribution sur les différentes plateformes sur lesquelles je suis présent. Donc Facebook, alors attends, Instagram. Je fais mes petits calculs là. Ouais. Un trimestre, donc 3 mois. T'as dit que tu faisais 2 vidéos, donc 12 semaines. Donc tu fais 24-25 vidéos dans la journée. Pas tout à fait. En fait, j'en fais 12 puisque j'ai chaque semaine une vidéo de conseil et ce sont ces vidéos-là qu'on tourne pendant cette journée-là. Donc j'en tourne une douzaine dans la journée. Mm-hmm. Et ensuite, j'ai un autre format le lundi qui lui est un format d'interview. Lui-là, je le batch, j'en tourne 4 généralement sur une même demi-journée, donc je tourne à peu près 1 mois d'interview sur une demi-journée et tous les mois j'en tourne 4. Ouais. Ok. Top. Donc Benoît, il s'occupe de la production, de la distribution sur toutes les plateformes. Il s'occupe aussi du support technique pour les membres de mon programme,
puisque c'est lui qui est derrière aussi l'espace de formation sous WordPress, etc. Et maintenant, il a pris aussi tout ce qui est page, donc la création des pages pour les différents tunnels de vente. Donc vraiment toute la partie technique du marketing, c'est chez Benoît. Il y a une prestataire pour la partie publicité Facebook aussi. Et puis on a des projets donc avec la croissance, pour accompagner la croissance. Donc Closer, t'en as plusieurs. Il y en a deux. Alors je suis passé par une agence. Okay. Qui est bien connu maintenant sur la place, et ils sont j'ai à disposition deux closers. Ok, top. Voilà. Donc en un an, ça fait une belle évolution en tout cas. Oui. Je suis content. Après, tu sais, justement, je me fais coacher et on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'en fait, d'une certaine manière, j'ai tellement pas envie de sacrifier ma vie de famille, ma vie perso, etc., qu'en fait, je suis tellement obsédé par ça que j'organise toujours mon entreprise en amont de son développement, ce qui fait que j'ai jamais de montée en charge, si tu veux, réelle de mon côté, parce que j'ai toujours délégué, j'ai toujours mis en place des processus, des automatisations et des délégations pour accompagner la croissance avant de me retrouver enfermé dans la roue du hamster, tu vois. Donc c'est cette vulnérabilité d'une certaine manière d'un côté, parce que tu as l'impression parfois de te limiter parce que tu as ces impératifs que tu t'es donné, ces contraintes qui sont chez moi, ma vie de famille. Et en même temps, c'est ma plus grande force parce que ça m'oblige à accompagner intelligemment la croissance de mon entreprise, en fait. Génial. C'est quoi la vision que tu as de toi dans 2-3 ans, enfin de toi et de ton entreprise? C'est quoi les prochains steps, les prochains leviers ou les prochaines étapes qui vont faire que tu arrives à encore grandir, croître, tout en préservant cette qualité de vie et ton temps? Ben en fait, il y a déjà sur l'année 2020, il y a beaucoup de projets sur la table là. Donc ça, c'est vraiment un peu sujet d'actualité, sujet brûlant. Il va y avoir des évolutions dans le programme parce que je veux vraiment élever encore le niveau de la délivrabilité dans le programme. Donc il y a d'autres coachs qui vont venir me rejoindre à mes côtés dans le programme pour apporter encore des expertises encore plus spécifiques à mes clients. Okay. Ce qui va aussi indirectement me permettre de me dégager un petit peu de temps sur la partie coaching sur ce programme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis dans l'animation du groupe Facebook, dans les réponses aux questions, donc dans le support client. Je suis aussi dans le coaching 2 fois par semaine, etc. Donc, ça me permet de m'extraire un petit peu. Donc, on va venir intégrer des coachs par spécificité dans le programme. Quelqu'un qui va être responsable de tout le support client, le succès client, donc qui va appeler régulièrement les clients pour s'assurer de leur réussite, etc., et de l'animation de la communauté sur Facebook, et ce qui va me permettre de me dégager du temps pour d'autres projets qui sont d'un côté des projets liés à l'entreprise. Donc là, je suis en train de refondre tout le branding en fait de la marque, qui n'est plus à jour par rapport à ce que j'étais il y a 2 ans et aujourd'hui. Donc je suis en train de travailler avec quelqu'un là-dessus. Il y a l'événement qui va arriver, donc là, pour le coup, c'est vraiment en exclusivité parce que je n'ai pas encore communiqué dessus, mais sur fin mars, il y aura un événement sur Paris pour réunir un maximum de conseillers immobiliers dans une journée avec des conférences, du speed coaching avec des coachs, notamment les coachs du programme qui seront là et dont les bénéfices seront reversés à la fondation I Love You. Donc ça, c'est un événement qui aura lieu fin mars. Il y a peut-être des projets d'écriture de livres, il y a beaucoup de choses sur 2020, et ça va être... Ça ne pourra être possible que si je continue de structurer intelligemment l'entreprise. Et puis pour les projets plus long terme, c'est vraiment, je pense que les projets sont directement liés à l'accompagnement de mes clients. Donc une fois que tu as accompagné tes clients, par exemple, à réaliser leurs premiers 100 000 euros de chiffre d'affaires, là j'ai un autre programme que j'ai commencé à mettre en place, qui est un programme cette fois d'accompagnement individuel, plus haut de gamme d'une certaine manière, mais pour franchir encore un cap supplémentaire et aller chercher les 200 000 et 300 000 euros de chiffre d'affaires. Et puis peut-être que parmi ces gens-là, il y a des gens qui voudront ouvrir leur propre agence immobilière ou développer leur propre réseau. Et je serai de nouveau là pour les accompagner dans ce processus-là. Tu vois. Et puis il y a toutes les compétences adjacentes à un agent immobilier, qui peuvent être la partie marketing, la partie comptabilité, la partie recrutement pour ceux qui souhaiteront développer des équipes. Donc tu vois, le développement, je le vois vraiment comme... il y a aujourd'hui la partie coaching et formation, mais je pense qu'à terme, il y aura vraiment l'agence des agences. Probablement qu'on aura des services associés aussi. Donc on pourra aller en profondeur dans le coaching en fonction de là où sont les gens, mais aussi les accompagner dans d'autres aspects de leur business.
En fait, c'est ça qui est génial, c'est que finalement, ton développement est lié au développement de tes premiers clients. Et là où ils sont dans une optique de générer, comme tu l'as dit, leurs premiers 100 000 euros, bah, là, tu les accompagnes dans ça. Et ensuite, il y aura un deuxième step où, bah, du coup, tu auras peut-être un deuxième programme pour dépasser encore ouais. ce. Pour et c'est ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, j'ai l'expertise métier. Et en, mmh. mais, et en fait, je m'aperçois que le développement de l'entreprise de mes clients se fait dans, j'allais dire, en, comme si je, j'essuyais les plâtres de mes propres clients dans le développement de ma propre entreprise, en fait. Mmh. Et que du coup, tous les blocages auxquels je peux moi-même être confronté dans le développement de mon entreprise sont autant de vécus qui m'aident à accompagner mes clients qui eux aussi sont en train de croître. Et donc, c'est comme si j'avais un tout petit temps d'avance, mais que c'est ce temps d'avance qui me permettait, en fait, de les aider aussi dans la dimension entrepreneuriale qui a été nouvelle pour moi aussi. Et donc, au-delà de la compétence métier, je peux aussi maintenant les accompagner sur le développement entrepreneurial et tous les blocages et les croyances par lesquelles on doit passer. Top. J'adore cette idée. J'adore l'idée de ce développement et vraiment, je vois beaucoup de parallèles par rapport à mon histoire et je trouve admirable, en fait, cette transition que tu as faite sur une expertise que tu as eue dans la vie réelle, entre guillemets, et le fait d'avoir digitalisé cette expertise au travers de ton programme, donc ça c'est top. Sébastien, est-ce que tu serais OK pour partager le challenge que tu considères comme, je sais pas, le challenge le plus important ou le plus difficile que tu as vécu ces dernières années? Est-ce qu'il y a un challenge perso ou pro que t'as réussi, ouais, à surmonter et alors je te prends un peu au dépourvu, je sais pas si t'as ça dans les cartons, mais j'aime bien poser ce genre de questions parce que je me rends compte que finalement tout entrepreneur, ben, tous les humains d'une manière générale ont des challenges et c'est quand on fait face à un gros challenge et qu'on arrive à le surmonter qu'on évolue vraiment. Est-ce que tu peux nous partager ça, Sébastien? En fait, j'en vois deux. Il y a un premier challenge qui est un challenge qui est vraiment lié à l'état d'esprit. C'est que je suis d'un naturel et je pense que ça va parler à beaucoup d'entrepreneurs plutôt perfectionnistes. Et en fait, ce qui clairement, moi, a changé ma vie, c'est depuis que j'ai fait mienne cette phrase et ça va parler à mes clients, mais c'est fait est mieux que parfait. Ah, je répète souvent aussi. Okay. Et en fait, c'est pas tout de se le dire. C'est que vraiment, ben ouais, ok, le premier ebook, il est pas top quand tu le re-regardes. Ok, si je regarde maintenant les premières vidéos sur la chaîne YouTube, elles sont, avec le recul, elles sont nulles. Tu vois, la première séquence email, elle était pas top. Le premier webinaire, il était pas top. Et j'essaye d'expliquer que tout est toujours la V1 de tout ce que vous faites, en fait. Dès que vous faites un nouveau truc, dites-vous que c'est simplement la V1. Et qu'il y aura une V2, une V3, une V4. Et j'essaie de marteler ça aussi à mes propres clients qui parfois, voilà, ont du mal à passer certaines peurs, certaines croyances parce qu'on veut bien faire, parce qu'on a la peur d'échouer, parce qu'on a la peur de réussir parfois aussi. Mais peu importe la raison. Voilà, c'est fait et mieux que parfait. C'est fait. Maintenant que c'est fait, on sait que ça pourrait être amélioré. Et ce qui est très intéressant, c'est que souvent on se dit, bon, je le fais comme ça, j'améliorerai après. Et souvent, en fait, on améliore, on revient pas dessus parce que finalement, c'était pas si mal et ça a fait le taf, tu vois. Ouais. Donc, il y a vraiment ce premier aspect qui, moi, franchement, a tout changé. Okay. Parce que on voit quand même beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans une forme de procrastination. Et encore une fois, l'autre jour, on a entendu ça, c'est que la procrastination, c'est simplement une mue, en fait, à un moment donné, c'est qu'il y a un changement en cours. Et qu'on a peur de ce changement-là, donc on procrastine pas parce qu'on n'a pas envie. C'est juste qu'à un moment donné, il y a une peur qui s'exprime. Et donc, c'est voilà, à partir du moment où on la dépasse, on gagne en confiance en soi, on accomplit des choses et on se dit, mais on devient, franchement, on a vraiment l'impression de devenir inarrêtable quand on commence à dépasser des peurs, à faire des choses, à s'accomplir et à réussir. Donc ça a vraiment pour moi été un gros changement. Et le deuxième, il est plus lié à mon activité en tant que telle, c'est que OK, le schéma traditionnel de formation, c'est de la formation présentielle. Donc, je continue d'en faire moins souvent parce que maintenant, je peux le choisir, entre guillemets. Ouais. Et on est encore ancré dans ce schéma que c'est le seul mode d'apprentissage, en fait. Et j'ai dû lever ce blocage-là, moi aussi, pour pouvoir le mettre en place pour mon entreprise. Et encore récemment, je discutais avec des dirigeants de réseaux d'agences immobilières, très gros réseau d'ailleurs, avec le directeur général qui a essayé de leur faire comprendre que le schéma formation présentielle aujourd'hui, enfermer des entrepreneurs pendant 2 jours dans une salle
Moi, je parle d'agents immobiliers, mais c'est des entrepreneurs en général, avec le téléphone qui sonne, toutes les sollicitations qu'on a, la capacité de stockage qu'on sait avoir aujourd'hui dans notre cerveau, etc. En fait, ça n'a vraiment plus lieu d'être tel que ça a toujours existé. Et par contre, ben, encapsuler la théorie dans une plateforme de formation qui permet aux gens d'accéder à ce contenu quand ils veulent, où ils veulent, depuis l'outil qu'ils veulent, de revenir dessus, etc. Et par contre, à l'inverse, d'avoir un partenaire de responsabilisation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens veulent le grand écart. Ils veulent apprendre quand ils veulent, où ils veulent. Par contre, ils veulent être accompagnés. Mmh. Et en fait, le schéma de formation présentielle ne répond à aucun de ces deux enjeux-là. Donc, le présentiel reviendra, mais sous forme événementielle. Et on le vit, nous aussi, puisqu'on se rend compte parfois dans des immersions, dans des séminaires, dans des choses où tu vis une expérience pendant cette journée-là et pas simplement, t'es pas seulement spectateur d'un contenu qui serait descendant. Et j'ai dû moi aussi dépasser ce blocage-là là pour pouvoir le vendre plus facilement. Et je suis aujourd'hui persuadé que c'est la meilleure solution d'apprentissage aujourd'hui pour des entrepreneurs qui ont un business au quotidien, en fait. Mmh, top. J'adore ça. J'adore ce partage. Et c'est finalement ce que tu exprimes au travers de ta thématique de l'immobilier. C'est quelque chose qui se transpose dans d'autres thématiques aussi. Et c'est bien de l'avoir soulevé et de l'avoir souligné. Voilà. Donc aujourd'hui, Sébastien, toi, tu continues à te former, tu continues à te faire accompagner. Toi-même, finalement, le format d'apprentissage que tu prônes, finalement, c'est un peu le même que qui te permet d'apprendre toutes ces choses que tu as découvert il n'y a pas si longtemps au travers du web marketing. Donc tu continues à avoir des coachs, tu fais partie de groupes, de mastermind, tout ça. Est-ce que tu peux nous partager tout ça? Ouais. Donc, j'ai été, donc, comme je disais au début, coaché en individuel pour vraiment la mise en place de tous les systèmes et ça a vraiment accéléré mon apprentissage du web marketing. J'ai dû tout apprendre. Et ensuite, je suis passé sur une autre modalité, donc, très récemment, qui est donc, j'ai rejoint un mastermind. Donc, le mastermind 67, en l'occurrence, celui de Romain Collignon. Okay. C'est un cap qui est pas simple à passer parce que ce sont des investissements, c'est sûr. Ouais. On se rend compte que je vis dans le cadre de cet accompagnement, là, ce que mes clients vivent dans le mien, c'est qu'en fait, tu le rentabilises quasi immédiatement parce que tu t'entoures de gens qui sont à chaque fois plus avancés. Et je considère toujours que si tu es le plus intelligent dans une salle, c'est que tu t'es trompé de salle. Mmh. Donc, c'est vrai que dans le cadre de ce groupe d'entrepreneurs, je suis prétendument en bas de l'échelle d'une certaine manière, mais ça me permet de n'avoir que le meilleur, en fait. Et c'est aussi les meilleures relations, les meilleures mises en relation avec des experts dans leur domaine, du networking, tout ce qu'on peut partager ensemble, le fait d'être inspiré par des gens plus avancés que soi dans son activité, ça nous donne aussi un peu, ça nous aide à affiner notre vision de ce qu'on veut accomplir dans le futur. Donc c'est vraiment pour moi indispensable, en tout cas pour ma propre croissance. Et récemment, j'en parlais avec un conseiller immobilier qui me suit sur les réseaux sociaux, etc. Et lorsqu'on a parlé de ça, il m'a dit, ben, c'est rassurant de savoir que les coachs qui sont susceptibles de nous coacher sont eux-mêmes coachés à un haut niveau. Et donc, du coup, ok, l'investissement qu'on pourrait devoir mettre dans un programme comme le programme que je vends, qui est un programme qui aujourd'hui est aux alentours de 3000 euros, ça nous rassure d'investir cette somme-là dans ton accompagnement si on sait que toi-même, tu investis 5, 10 fois plus dans ton propre accompagnement. Donc j'ai moins de croyances et d'annoncer fièrement, tu vois, que je suis dans ces cercles de formation, parce que je sais que ça, c'est au service de mes propres clients, en fait. Top. Sébastien, je voudrais finir par une dernière question. Alors, tu as déjà partagé une phrase tout à l'heure qui t'est chère, qui était que fait c'est mieux qu'être parfait. Fait, c'est mieux qu'est parfait. Si tu avais une autre phrase à partager pour clore cette interview, si tu possédais un panneau publicitaire géant, qu'est-ce qu'il dirait et pourquoi? Alors, pour mes clients, ils diraient, je peux dire deux choses ou pas? Tu peux dire deux choses. pour les professionnels de l'immobilier, c'est une phrase qui est au bas de tous mes emails, etc. C'est que l'immobilier est plus près du cœur que de la tête. Top. Donc l'idée, c'est vraiment qu'ensemble on puisse changer l'image de cette profession et qu'on puisse vraiment accompagner émotionnellement tous les gens qui sont dans un projet d'acquisition ou de vente d'un bien immobilier, notamment au titre de résidence principale. Donc voilà, c'est une meilleure prise en compte des émotions vécues par,
par les gens qui ont ces projets immobiliers là. Et puisque fait est mieux que parfait a déjà été pris, il y a eu une autre phrase, celle-là elle peut aider aussi les entrepreneurs à travailler d'abord sur leur vision, leurs objectifs, la clarté de ce qu'on cherche à accomplir, la cartographie, parce que je considère que les enseignements aujourd'hui sont devenus des commodités. C'est-à-dire que concrètement, tu veux apprendre à faire quelque chose, il y a de fortes chances que la réponse elle existe déjà sur Google, sur YouTube, etc. Par contre, les stratégies, l'état d'esprit qu'il faut, etc., ce sont des choses qui, elles, n'ont pas de prix. Et du point de vue de l'objectif, ben, je dis souvent que tout objectif flou se termine par une connerie précise. Ah, j'adore. Donc c'est vraiment voilà cette idée de travailler la vision, les objectifs, la clarté, et après normalement le reste ça découle tout seul. Top. Écoute Sébastien, je te remercie infiniment de m'avoir accordé de ton temps pour cette interview. Comment est-ce que si jamais il y a un agent immobilier qui t'écoute là, comment est-ce que les gens peuvent rentrer en contact avec toi ? Alors normalement si tu veux me trouver, tu me trouves donc sur Facebook. Sébastien Tedesco, la chaîne YouTube c'est Sébastien Tedesco, sur LinkedIn aussi, donc voilà, si vous tapez Sébastien Tedesco vous tomberez sur moi. Après pour en savoir vraiment plus sur ma vision du métier, ce que j'enseigne, etc., je pense que la chaîne YouTube ça s'y prête plutôt bien. Okay. Et il paraît qu'on ça laisse bien transparaître ma vision du métier, donc s'il y a des gens qui veulent me découvrir sur la chaîne YouTube ça s'y prête bien. Génial. Écoute Sébastien, je te souhaite une excellente fin d'année 2019 et une excellente année 2020 à venir. Merci encore et puis je te dis à bientôt. Merci Vanak, merci à tous, à bientôt. Voilà pour cet épisode, je remercie Sébastien pour son temps, pour avoir pris le temps de faire cette interview avec moi. Pour rappel, hein, si jamais vous êtes intéressé pour participer au séminaire Business Internet en Or 3.0, donc vous pouvez aller sur l'adresse psvm.com/bio3 et vous aurez toutes les informations, vous aurez la liste complète des intervenants et les différentes options qui s'offrent à vous pour participer à ce super séminaire sur lequel j'aurai la chance, l'opportunité d'intervenir devant tous ces infopreneurs. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et appréciez la vie. Salut! Merci d'avoir écouté ce podcast. Retrouvez toutes les informations complémentaires sur webcreacteur.com.